Abidjan, deux plateaux à Touban. Nous sommes jeudi 25 septembre 2014. La délégation du CRI panafricain est attendue au cabinet du Premier ministre Ahosu Janot. Abed Naki et ses amis sont d'abord reçus par le chef de cabinet pour un briefing. Après cela, direction bureau ovale du Premier ministre Ahosu Janot, avocat de formation et chargé du dialogue direct entre le gouvernement ivoirien et les partis politiques de l'opposition. Mais avant tout, il faut se laver les mains avec du Bactigel, un gel main désinfectant dans le cadre des mesures de précaution contre le virus d'Ebola. Après cela, Abenaki présentera sa délégation et donne ici les raisons de sa visite. Pour le leader de la résistance ivoirienne en France, il était temps de venir en terre ivoirienne afin de toucher de près les réalités du terrain. Et comme il ne cesse de le répéter depuis son arrivée le 15 septembre dernier, le CRI panafricain entend jouer pleinement sa partition dans le processus de réconciliation, dira-t-il, avant de proposer sa recette pour une sortie de crise dans notre pays. Pour lui, le CRI panafricain, en tant que parti politique, propose l'organisation d'une conférence nationale souveraine du pardon, la création d'un haut commissariat aux réfugiés piloté par l'opposition et la libération de tous les prisonniers politiques détenus à la Maca de Mme Simone Gbagbo, du ministre Charles-Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. À son tour, le Premier ministre Ahosu Janot a salué cette visite du CRI panafricain et les initiatives prises dans le cadre de la réconciliation nationale. Pour Ahosu Janot, il n'est pas acceptable que des Ivoiriens abandonnent leur pays entre les mains d'autres personnes étrangères. Pour ce qui est des propositions de sortie de crise, Ahosu Janot a demandé au CRI panafricain de lui transmettre toutes les écritures afin qu'il les étudie en profondeur. Vous venez de rencontrer le Premier ministre Ahosu Janot. De quoi vous avez parlé? Nous avons été reçus en audience par le Premier ministre, ministre d'État chargé du dialogue entre les partis politiques dans le cadre de la réconciliation, Monsieur Ahosu Janot. C'est toujours dans le cadre de notre visite de travail en Côte d'Ivoire. Nous avons pu rencontrer le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de la Sécurité. Après lui, nous avons rencontré le FPI. Ensuite, nous avons tenu une conférence de presse pour expliquer le but de notre présence ici, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le ministre d'État, M. Ahosu Janot, qui nous reçoit. Et nous avons parlé de la réconciliation nationale entre les Ivoiriens. Nous avons décelé les points saillants de cette réconciliation, ce qui coince et ce qui a été fait. Nous, notre mission était de lui expliquer clairement que, en tant qu'opposant, en tant que parti de gauche, et compte tenu de la crise de 2011, il y a des revendications. Notamment, la première des revendications, c'est la libération du président Laurent Gbagbo, qui est un gage concret pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ensuite, la première dame Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, les prisonniers politiques un peu partout en Côte d'Ivoire, la majorité à la Maca. Nous avons évoqué aussi le cas de la grève des prisonniers politiques qui sévit en ce moment et qui fait beaucoup de dégâts, en tout cas au milieu des prisonniers politiques à la Maca. Nous avons aussi parlé du retour sécurisé des réfugiés. Nous lui avons fait nos propositions que nous avions faites pendant notre conférence de presse. Il les a appréciées. Il a même demandé que nous lui fassions une note de retour de toutes ces propositions afin qu'il puisse les remonter au plus haut niveau pour que la réconciliation soit vraie et que les gages de cette réconciliation soient pris en compte. La libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, le cas du président Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, de Charles Blé Goudé. Donc, c'est ravi que nous partons de cette audience que nous a accordée le Premier ministre, M. Ahosu Janot. Et de ce pas, vous faites quoi? Vous allez où?
De ce pas, nous allons préparer les autres audiences que nous avons déjà sous la main, des personnalités de ce pays qui ont demandé à nous rencontrer, des partis politiques de l'opposition qui ont demandé à nous rencontrer, les partis politiques aussi au pouvoir, notamment le RDR qui a demandé à nous rencontrer, le RHDP, donc le PDCI aussi qui a demandé à nous rencontrer. Donc nous continuons notre mission de rencontre des leaders politiques en Côte d'Ivoire.